Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence portant sur le processus de dénonciation en matière de violence conjugale présentée dans le cadre du Salon Visé Droit du Barreau de Montréal. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Layo Auger-Leduc, lieutenant détective au SPVM et j'ai le plaisir d'animer cette discussion. Cette présentation a pour but de répondre à toutes vos questions concernant le processus de dénonciation d'une infraction criminelle en matière de violence conjugale. Alors, pour commencer, une vidéo explicative vous sera présentée et ensuite les intervenants et moi-même serons disposés à répondre à vos interrogations. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes du jour. Je vous présente Maître Daniel Lagu, donc membre du Barreau du Québec depuis 1988. Maître Daniel Lagu est procureur à la Cour municipale depuis plus de 26 ans. Elle fait partie d'équipe de violence conjugale qui compte 22 procureurs. Merci d'être avec nous, Maître Lagu. Merci, bonjour. Agent Gabriel Couture. Monsieur Couture est un agent au SPVM depuis plus de 20 ans. Il a auparavant été patrouilleur avant d'être nommé agent socio-communautaire dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, un poste qu'il a occupé de 2017 à 2021. Il agit aujourd'hui à titre d'agent de concertation communautaire dans la section spécialisée en violence conjugale du SPVM, et ce depuis sa création en octobre 2021. Bonjour, Monsieur Couture. Bonjour, Layo. Merci beaucoup. Alors, je vous présente également Véronique Jandipeux. Madame Jandipeux, criminologue et agente de liaison dédiée en violence conjugale au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la région de Montréal, le CAVAC. Elle est d'ailleurs attitrée à la nouvelle section spécialisée en violence conjugale du SPVM. Madame Jandipeux fait aussi de l'intervention de crise en contexte d'homicide. Et avant son arrivée au CAVAC, elle a travaillé en protection de la jeunesse au sein de l'équipe spécialisée 0-4 ans, où elle intervenait majoritairement auprès des enfants ayant été exposés à la violence conjugale. Bonjour, Madame Jandipeux. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vous présente à l'instant la vidéo produite par le SPVM expliquant le processus de dénonciation d'une infraction criminelle en matière de violence conjugale. Et suite à cette présentation, il y aura une période de questions durant laquelle vous pourrez vous adresser aux panélistes, incluant moi-même, si vous avez des questions en regard à la présentation que vous aurez visionnée. Bon visionnement à tous. Nous, les policiers du service de police de la Ville de Montréal, avons l'expérience et la formation pour intervenir dans les situations de violence conjugale. Nous sommes là pour vous protéger et vous aider. Nous pouvons également diriger toutes les personnes impliquées vers des ressources qui peuvent leur venir en aide. Dans chaque poste de quartier, il y a un agent spécialisé en violence conjugale. Tous les policiers reçoivent une formation afin d'être prêts à vous accueillir professionnellement. Ils ont vraiment à cœur votre sécurité. Au Canada, la violence conjugale n'est pas tolérée. Selon le Code criminel du Canada, c'est tout acte d'intimidation, de menace, de voie de fait, d'agression, de séquestration, de mariage forcé et de mutilation génitale. Cela peu importe votre statut matrimonial, votre sexe, votre âge, votre orientation sexuelle, votre culture, votre religion et votre statut au Canada. Vous obtiendrez de l'aide en composant le 911, en vous rendant dans un poste de quartier ou en maison d'hébergement. Si jamais vous ne parlez ni anglais ni français, ne vous inquiétez pas, nous ferons appel à un interprète. Vous pourrez ainsi relater ce que vous vivez dans votre langue maternelle. Si vous le préférez, vous pourrez écrire vous-même les faits vécus. Dans tous les cas, le policier qui vous accueillera rédigera un rapport d'événement portant un numéro. Ce numéro est très important parce qu'il vous permettra par la suite d'entrer en communication avec votre enquêteur. Le SPVM travaille avec plusieurs partenaires pour contrer les effets néfastes de la violence conjugale. Notre objectif commun, c'est de répondre à vos besoins. Si vous le souhaitez, nous pourrons aussi vous accompagner pour récupérer vos effets personnels. Lors de votre rencontre avec le policier, il analysera la situation et évaluera si les faits que vous relatez sont des infractions criminelles pouvant compromettre la sécurité de votre famille ou la vôtre. Si tel est le cas, nous agirons immédiatement afin de procéder à l'arrestation du suspect. S'il n'est pas localisé immédiatement, un policier pourrait vous accompagner dans une maison d'hébergement ou encore demander pour vous l'intervention immédiate d'un intervenant social.
En dénonçant une situation de violence conjugale, vous pourrez avoir rapidement accès à des ressources. La deuxième étape d'une dénonciation à la police, c'est de discuter avec votre enquêteur. Un enquêteur comme moi s'assurera d'avoir tous les faits et évaluera vos besoins. Nous ferons des recherches afin de localiser le suspect s'il n'a pas déjà été arrêté lors de votre première rencontre avec un policier de votre quartier. Selon votre situation, nous aurons l'option de le convoquer au centre d'enquête pour l'arrêter ou encore aller l'arrêter à l'endroit où il se trouve. Dans tous les cas d'arrestation, les droits de la personne arrêtée seront respectés et elle pourra communiquer gratuitement avec un avocat et même bénéficier des services d'aide juridique offerts en plusieurs langues. Par la suite, nous évaluerons, selon les risques pour votre sécurité et celle de vos proches, si la personne arrêtée peut être libérée avec des conditions à respecter. Ne pas communiquer avec vous de quelque façon que ce soit et de respecter une certaine distance de votre personne, votre domicile et votre lieu de travail sont très souvent des conditions émises. La personne arrêtée peut aussi être gardée détenue afin de comparaître à la cour devant un juge le lendemain ou encore être référée aux ressources qui existent pour les conjoints violents. Dans les deux situations, vous serez avisé, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. Il est donc bien important de laisser un numéro pour vous rejoindre en tout temps. Les enquêteurs du SPVM seront votre lien privilégié pour toute la durée des procédures. N'hésitez pas à nous poser des questions. Notre expérience en matière de violence conjugale nous permettra de vous offrir une bonne écoute et de bons conseils. Le CAVAC, c'est une équipe de professionnels toujours prêts à vous rencontrer où que vous soyez et même chez vous, à la demande des policiers. Nous évaluerons vos besoins, prendrons le temps de vous écouter, échanger sur votre situation et vous rassurer. Lors de ces rencontres, les intervenants vont vous offrir des outils pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre vie et aussi diminuer autant que possible les conséquences sociales, financières, psychologiques et même physiques. Les intervenants vont tenter dans les rencontres de vous expliquer les informations légales, même les plus complexes, et de démystifier le processus. Nous allons répondre à vos questions, alors n'hésitez pas surtout à nous parler de vos inquiétudes. Enfin, nos intervenants peuvent bien vous épauler dans vos démarches, comme par exemple remplir une demande du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels, une déclaration de la victime ou même une cession de bail. Si vous avez besoin d'hébergement ou même de services spécialisés, nos intervenants seront en mesure de vous orienter ou même de vous mettre en contact avec différents organismes. Nous, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, sommes les avocats qui agissons comme poursuivants au nom de l'État dans les affaires criminelles comme les dossiers de violence conjugale. Nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas l'avocat de la victime ou des policiers, mais nous tenons compte des intérêts de la victime. Nous analysons la preuve soumise par les policiers à la fin de leur enquête et nous procédons à un examen complet de l'ensemble des documents soumis afin de déterminer si la preuve est suffisante pour déposer des accusations. À la cour, nous prendrons le temps de rencontrer la victime afin de lui permettre de comprendre l'importance de sa participation et de son rôle dans le processus judiciaire. C'est un moment privilégié pour poser des questions. Nous pourrons y répondre. Lorsque nous prenons la décision comme procureur de porter des accusations, le processus judiciaire débute. L'accusé devra se présenter devant la cour. Il pourra être en liberté ou encore détenu. S'il est remis en liberté, nous pouvons demander au tribunal de lui imposer des conditions en attendant son procès. Par exemple, de ne pas communiquer avec les témoins ou les victimes, de ne pas se présenter près de leur lieu de résidence, leur lieu d'études ou leur lieu de travail, ou encore de remettre leurs armes aux policiers. D'autres conditions pourront s'appliquer selon les circonstances. Nous, les procureurs, les policiers, le personnel des CAVAC et de l'organisme Côte-et-Côte, travaillons ensemble pour accompagner la victime tout le long du processus judiciaire. Soyez assurés que nous favoriserons la communication avec vous afin que justice soit rendue. Donc, avant d'entreprendre la période de questions, je vais d'abord donner la parole à notre panéliste, Maître Daniel Lagu, qui voudrait vous adresser un mot concernant le service de Côte-et-Côte. Alors, Maître Lagu, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, très brièvement, à Montréal, tant au palais de justice qu'à la cour municipale, les intervenantes du service côté cour sont présentes et accompagnent, soutiennent les victimes tout au long du processus judiciaire. Les intervenantes sont des travailleuses sociales, des criminologues, des sexologues. Elles sont membres de leur ordre professionnel. Alors, à chaque fois que la victime se présente à la cour, elle est rencontrée par une intervenante de côté cour qui fait une évaluation. Alors, l'évaluation, c'est l'évaluation des besoins de la victime, mais qui dépasse ceux de la cour. Par exemple, elle évalue le risque de récidive, le risque homicidaire. On vérifie aussi si madame a besoin d'être référée à des ressources. On peut vérifier aussi si madame doit être localisée, si elle doit aller en maison d'hébergement, rester ailleurs. Il y a des scénarios de protection qui sont faits avec la victime. Et à chaque fois qu'elle vient à la cour, l'évaluation est refaite du scénario de protection et des autres facteurs également. Même lorsqu'il y a reprise de vie commune, le scénario de protection est aussi envisagé. Évidemment, aussi, les intervenantes vérifient là, au niveau des enfants qui sont exposés à la violence conjugale. Alors, c'est un bref résumé là, des services qui sont offerts là, par côté cour à la cour municipale et au palais de justice. Merci. Alors, merci, Maître Lagu, c'était très éclairant. Maintenant, on va ouvrir la période de questions pour ceux qui auraient des interrogations, soit par rapport à la courte vidéo que nous venons de présenter, soit au service côté cour, ou bien tout simplement savoir comment ça fonctionne au niveau du processus judiciaire, tout dépendant des intervenants qui sont ciblés par les questions. Donc, j'ai une première question de Madame Sylvie Lalonde. Je ne suis pas certaine de comprendre exactement votre question. Peut-être que vous pourriez prendre la parole sans aucun problème. Là, votre question, c'est pourquoi les plaintes croisées? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails quant à votre interrogation? Est-ce que Madame Lalonde, vous m'entendez? Donc, on va passer à l'autre question, puisque pour l'instant, je n'ai pas de réponse de Madame Lalonde. Alors, j'ai une question qui concerne, donc, pouvez-vous faire la différence entre le processus pour un 810 et une plainte en violence conjugale? Alors, je me propose de faire un premier segment de réponse. Si jamais vous voulez rajouter quelque chose, Maître Lagu, je vous invite à le faire. Je vous dirais que la principale distinction, si vous voulez, entre une plainte déposée en matière de violence conjugale versus le 810, c'est que suivant la politique ministérielle en violence conjugale, les policiers n'ont pas le choix de dénoncer ou non. En fait, c'est une obligation qu'ils ont. Alors, dès qu'il y a présence d'infractions criminelles en matière de violence conjugale, il y a un devoir de dénonciation de la part des policiers. Et ce n'est pas en soi une mauvaise chose dans le sens où, à partir du moment où il y a une dénonciation, il y a un processus qui s'enclenche et il y a une évaluation très serrée sur les risques encourus par la victime et ce qui serait optimal d'entreprendre en termes de démarches pour protéger celle-ci. En ce qui concerne les 810, la principale différence, c'est que
il faut qu'il y ait totalement absence d'infraction en matière de 810 et c'est principalement la raison pour laquelle on va se tourner vers une telle démarche, c'est que la victime a des raisons de crainte pour sa sécurité, pour celle de sa famille ou pour des biens, ou la crainte de publication non consensuelle d'images intimes et pour des craintes qui sont rationnelles, là, c'est-à-dire qui sont évaluables par un juge, mais à ce moment-là, on va peut-être décider de faire une demande de 810, c'est-à-dire un engagement qui serait signé par la personne qui est visée. Mais c'est vraiment dans une optique où il n'y a pas d'infraction criminelle de commise. Je ne sais pas si vous voulez renchérir, Maître Lagu. Oui, bien, c'est exact. Alors, la différence, c'est que le 810, ce n'est pas une infraction criminelle. C'est une ordonnance qui est faite de façon préventive, mais c'est aussi un juge qui va devoir décider s'il va rendre cette ordonnance-là. Mais au bout de l'ordonnance, la personne qui se voit imposer des conditions n'a pas d'antécédent judiciaire. Ce n'est pas un acte criminel. Alors, c'est ce que je voulais préciser. Excellent. Donc, je vais y aller avec la deuxième question. Donc, on nous demande, lorsqu'on dit qu'il y a un agent par PDQ qui est spécialisé en violence conjugale, est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'on parle des agents socio-communautaires? Alors, à cette question, je vais laisser mon collègue Gabriel Couture répondre. Oui, bonjour. Est-ce que c'est nouveau? Non. Bien, souvent, ça va être les agents socio-communautaires dans les postes de quartier. On les appelle, ça va être des agents en violence conjugale intrafamiliale. Souvent, ça va être la liaison en tous les dossiers de violence conjugale entre les centres d'enquête, les partenaires externes, les maisons d'hébergement, les organismes communautaires. Et souvent, ils vont aller parler aussi aux relèves, aux différentes relèves dans les postes de quartier. Il y a 5 équipes de travail, essentiellement dans chaque poste de police. Lorsqu'il y a des nouvelles directives, eux autres, ils vont acheminer l'information. Ce sont un peu les liaisons, mais aussi les diffuseurs d'informations en violence conjugale. Donc, s'il y a des patrouilleurs qui ont des questions en matière de violence conjugale, ils vont se référer à l'agent VCI, qui est une ressource pour eux, pour leur venir en aide et obtenir souvent un conseil. Et souvent, si on peut demander aussi un suivi plus approprié là, auprès de la victime, on va se référer à l'agent VCI. Donc, c'est pas nouveau, c'est seulement au niveau également de la fonction puis de la section spécialisée en violence conjugale qui, elle, est nouvelle là, depuis le 3 octobre 2021. Donc, ça complète ma réponse. Merci beaucoup, Gabriel, très apprécié. Alors, j'ai une autre question. Donc, on demande si je suis témoin ou victime dans une affaire de violence conjugale, comment ça se déroule à mon arrivée au palais de justice? Par exemple, vais-je croiser mon agresseur ou devrais-je lui parler directement? Alors, encore une fois, je vais me lancer pour le premier segment de la réponse et puis, Maître Lagu, si vous voulez renchérir par la suite, vous êtes la bienvenue. Si vous êtes là, c'est sûr que témoin ou victime, c'est pas la même histoire, mais on va y aller avec la version que vous êtes victime dans une affaire de violence conjugale. D'abord, sachez que la première rencontre que vous aurez avec votre procureur, ça ne sera pas une date officielle, ça va être une date pro forma qu'on appelle, date à laquelle vous serez rencontré de façon individuelle pour évaluer le dossier. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de chance que vous croisiez monsieur.
le jour des procédures, évidemment, la procédure, ce qu'on privilégie, c'est qu'on se rencontre d'abord pour que vous puissiez avoir un mot avec l'enquêteur au dossier, avec le procureur également au dossier. Et on vous rencontre dans un endroit qui est... tout dépendant de la cour, là, parce qu'à la cour municipale et au DPCP, ce n'est pas la même chose, mais un endroit qui est réservé aux victimes, au palais de justice, c'est au cinquième étage, qui est une salle qui est occupée par le CAVAC. Donc, on vous rencontre à cet endroit-là et lors des pauses ou lorsqu'on arrête l'audience, vous pouvez retourner à cet endroit-là en sécurité. Vous n'aurez pas à vous adresser à votre agresseur en personne, mais il y a des possibilités, par contre, que vous témoigniez dans la même pièce que lui, avec les intervenants de la cour, là, le juge, les procureurs de la couronne et autres témoins, enquêteurs au dossier, etc. Je ne sais pas si vous voulez renchérir, Maître Lagu. Oui, bien, à la cour municipale, il y a le local de côté cour, il y a une salle d'attente. Alors, tant que la personne ne témoigne pas, elle peut attendre à l'intérieur de la salle d'attente de côté cour. Et quand on a à la rencontrer, il y a des cubicules où on va rencontrer la victime. C'est sûr que l'accusé est dans le même immeuble, sauf s'il est détenu, évidemment, mais il est présent, mais les victimes peuvent attendre dans le local de côté cour. On rencontre aussi la victime à la comparution, là, dès la première date de cour. Souvent, c'est très peu de temps après les faits, mais on la rencontre aussi à ce moment-là. Et comme vous le disiez, c'est certain que si la personne témoigne, l'accusé sera dans la salle d'audience, mais évidemment, la victime n'a pas à s'adresser à lui. Elle témoigne en s'adressant au tribunal. Dans certains cas, quand les accusés ne sont pas représentés par des avocats, on demande qu'il y ait un avocat désigné par la cour pour le contre-interrogatoire, de façon justement à ce que l'accusé ne soit pas celui qui contre-interroge la victime. Et il y a aussi certains mécanismes qui peuvent être autorisés, là, comme témoigner derrière un paravent pour ne pas voir l'accusé et dans certains cas, témoigner dans une autre salle où l'accusé n'est pas, puis c'est diffusé là, dans la salle où l'accusé se trouvera. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions. Pour l'instant, je n'ai pas de précision supplémentaire qui m'est demandée. Alors, je vais passer à la prochaine question. Puis, Maître Lagu, je pense que vous allez être la personne la mieux placée pour répondre. Alors, ça dit, que se passe-t-il si je ne veux plus témoigner? Qu'arrive-t-il avec le procès? Bon. Alors, évidemment, bien, ça dépend toujours de la preuve. Par exemple, si la victime est le seul témoin de la poursuite, c'est sûr que la poursuite ne sera pas en mesure de faire la preuve qu'il y a eu une infraction. On ne force pas les victimes à témoigner. Alors, dans un cas comme ça, si la poursuite se retrouve sans témoin de l'infraction, bien évidemment, il n'y a pas de preuve qui peut être présentée au tribunal et l'accusé est acquitté. Dans certains cas, il peut y avoir d'autres témoins. Il pouvait y avoir d'autres personnes présentes au moment de l'infraction. Des fois, ça peut être des voisins, des gens sur la rue. Il peut y avoir d'autres témoins. Et dans ce cas-là, même si la victime ne témoigne pas, la poursuite est en mesure de faire la preuve qu'il y a eu une infraction avec d'autres témoins. Excellent. Merci beaucoup, Maître Lagu. Donc, la prochaine question, excusez-moi, je la lis tout de suite. Comment fonctionne le bracelet anti-rapprochement et est-ce que c'est déjà en place? Donc, je vais me permettre de répondre en partie à cette question-là. Le bracelet anti-rapprochement sera possiblement, là, selon ce que nous avons comme information, amorcé à la fin mai à Québec. Pour ce qui est de Montréal, là, on prévoit avril 2023.
Et comment ça fonctionne, je vais y aller brièvement là, parce qu'on n'a pas encore expérimenté la chose à Montréal, mais il y aurait un bracelet à la cheville de l'accusé avec un appareil qui est relié à ça, qui s'apparenterait à un appareil cellulaire. La victime de son côté aussi a un appareil qui s'apparente à un appareil cellulaire. Et il y a deux types de rayons. Il y a un rayon du domicile de la victime, mais il y a un rayon aussi de la personne de la victime. Donc, lorsque l'accusé s'approche à un certain nombre de kilomètres, il y a une première alerte qui est sonnée. On avise monsieur qu'il est sur le point d'entrer en infraction. Si l'accusé cesse de s'approcher, ça se termine là, mais s'il y a une progression, là, il y a un appel au 911 qui est logé par la compagnie d'alarme. On avise la victime qui, suivant là, l'installation de ce bracelet-là, aura répertorié des scénarios là, d'urgence. Et à ce moment-là, des actions vont être mises en place pour procéder à l'arrestation de l'accusé pour bris de condition. Donc, je ne rentrerai pas dans plus de détails que ça. Comme je vous dis, ce n'est pas encore en place à Montréal, mais ça pourrait par contre nous toucher dans le sens où si une victime était à Montréal et qu'un accusé se trouverait aussi à Montréal, on pourrait éventuellement être impliqué dans ce type d'enquête-là. Donc, voici pour la question concernant les bracelets anti-rapprochement. Alors, j'ai une deuxième question là, concernant, je vais vous laisser répondre en première partie, peut-être Maître Lagu, puis par la suite, je vais compléter. Peut-être même, Véronique, tu pourras renchérir. On nous demande, qu'arrive-t-il avec les enfants du couple dans une affaire de violence conjugale? Doivent-ils témoigner? Sont-ils protégés? Sont-ils pris en charge par la DPJ? Bien, alors, pour ce qui est du témoignage des enfants, évidemment, ça dépend toujours des circonstances. Ça dépend de l'âge des enfants. Ça dépend de l'ensemble du dossier. Alors, dans certains cas, effectivement, ils vont témoigner, mais c'est toujours évalué au cas par cas. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux parler de la prise en charge des enfants. Au niveau du CAVAC de Montréal, en fait, dans tous les CAVAC de la province, il y a un nouveau programme qui a été mis en place pour préparer les enfants qui doivent témoigner au témoignage. C'est le programme Témoin-enfant. Donc, c'est vraiment sa vie. C'est plusieurs rencontres entre un intervenant du CAVAC puis l'enfant pour le préparer à ce témoignage-là. Puis, ça vise à apprendre différentes compétences. Pour vraiment le préparer, qu'il soit le plus solide possible, le plus prêt pour le tribunal, pour son témoignage. Puis un travail qui est fait aussi en parallèle là, avec le parent à travers tout ça. Au niveau de la protection de la jeunesse, c'est sûr qu'automatiquement, quand il y a une situation de violence conjugale qui est rapportée au SPVM, ils sont tenus de faire un signalement à la protection de la jeunesse. Au niveau de la protection de la jeunesse, une fois qu'ils reçoivent le signalement, ben, ils vont faire l'évaluation de ce signalement-là, à voir, bon, est-ce qu'il y a un motif de compromission? Est-ce que la sécurité et le développement de l'enfant est compromis de par la situation dans laquelle il est en ce moment? Puis, donc, ça va être à la DPJ d'évaluer la situation puis voir s'il y a nécessité là, qu'il fasse une intervention auprès des enfants, auprès de la famille, pour assurer leur sécurité et le bon développement. Excellent. Donc, en espérant que ça réponde, en ce qui nous concerne au niveau de l'enquête criminelle, c'est certain qu'on essaie du mieux qu'on peut d'éviter d'impliquer les enfants dans des situations de violence conjugale parce que il y a déjà une première exposition à la situation tendue dans le couple. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, on n'ira pas nécessairement investiguer auprès des enfants. Par contre, lorsque les enfants ont un certain âge et qu'ils sont en mesure de rendre un témoignage puis qu'ils ont été témoins de certains aspects importants dans l'enquête criminelle,
Les enfants sont rencontrés par des enquêteurs qui sont formés spécialement pour interviewer des enfants. Donc, c'est la formation qui se donne à l'École nationale de police du Québec qui s'appelle NICHE. Donc, c'est vraiment une entrevue de type non suggestive pour essayer d'obtenir de l'information, mais sans influencer de quelconque façon que ce soit la mémoire ou les paroles de l'enfant. Donc, en espérant que ça réponde pour cette question. Si tu peux ajouter une dernière petite chose par rapport aux enfants, au Québec de Montréal, c'est sûr qu'on considère que les enfants qui sont exposés à de la violence conjugale sont des témoins, des victimes à part entière aussi. Donc oui, on fait de l'intervention auprès des victimes, auprès de leurs proches, auprès de la famille, auprès des enfants, auprès des témoins aussi. Puis dans la vidéo, on parlait brièvement là, de l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Les enfants de victimes de violences conjugales peuvent aussi être indemnisés, là, recevoir une compensation au niveau financier pour, à la suite d'un événement criminel en lien à la violence conjugale aussi. Merci beaucoup, Véronique. Donc, j'ai une demande concernant les plaintes croisées. On nous demande comment vous traitez les plaintes croisées, c'est-à-dire lorsque la victime a aussi des accusations de violence conjugale portées contre elle. Pour répondre à cette question-là, c'est très variable d'un dossier à l'autre. Vous comprendrez qu'il y a différentes choses qu'il faut qu'ils soient vérifiées lorsqu'une plainte est déposée. La chose qu'il faut retenir ici, c'est que le propre de l'enquête policière est de déterminer s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. Donc, il y a une enquête qui est complète, qui est effectuée de part et d'autre. Et souvent, au terme de cette enquête-là, on est en mesure d'établir s'il y a effectivement des motifs raisonnables de croire. Et souvent, l'enquête nous permet de relever des éléments qui nous permettent de croire parfois. Parfois que c'est fondé, parfois que ce ne l'est pas. Dans les rares cas où nous ne sommes pas en mesure d'établir si effectivement les plaintes sont fondées de part et d'autre, comme je vous disais tout à l'heure, on a une obligation de dénoncer lorsqu'il y a une infraction criminelle qui est commise en matière de violence conjugale. Donc, les dossiers sont soumis à la Cour pour étude par un procureur de la Couronne. Et peut-être pour la suite des choses, avec la vue, je vous laisserai répondre. Oui, bien, alors nous, le rôle du procureur, c'est d'étudier les deux dossiers, les deux plaintes, vérifier la suffisance de la preuve. Évidemment, on ne va pas autoriser les deux parce que quand il y a des plaintes croisées, c'est qu'il y en a un qui dit qu'une chose est arrivée, l'autre dit l'autre chose, alors que c'est le même événement. C'est sûr que dans un même événement, les deux personnes peuvent avoir commis des actes criminels distincts, mais quand on parle de plaintes croisées, généralement, la poursuite va pas autoriser les deux, va examiner la preuve. Dans certains cas, il peut arriver que les deux plaintes soient refusées. Alors, mais c'est, on regarde ce que l'enquête, la preuve dans chaque dossier, les déclarations, s'il y a des témoins indépendants. Alors, on analyse les dossiers. Merci, Maître Lagu. Je vais faire une précision. Là, il y a quelqu'un qui m'a ramené à l'ordre et c'est mon passé en tant qu'enquêteur aux agressions sexuelles qui m'a fourché la langue. Donc, on me dit effectivement qu'au palais de justice, les victimes de violences conjugales vont 6.10, excusez-moi, au côté court, et qu'effectivement, au cinquième étage, c'est les bureaux du CAVAC qui accueillent généralement, entre autres, les victimes d'agressions sexuelles. Merci pour la précision, j'apprécie. J'ai une autre question. Donc, on me demande qui est responsable d'informer la victime sur l'enquête et le processus judiciaire. Donc, évidemment, il y a une grande part de cette responsabilité-là qui est attribuable à l'enquêteur au dossier. La bonne chose là-dedans, c'est qu'il y a aussi des collaborateurs qui nous permettent de s'assurer que l'information se rende à la victime. Mais une chose est certaine, c'est que tout au long de l'enquête, et tant que l'enquête n'est pas complète, la responsabilité de tenir informée la victime sur où on en est rendu dans l'enquête est attribuable à l'enquêteur. Une fois la Cour
puis là, vous me reprendrez, Maître Lagu, je ne m'abuse. Côté cours, s'assure de bien envoyer les conditions lorsqu'elles sont émises, une copie des conditions à la victime lorsqu'elles sont émises, lorsque l'accusé est libéré. Oui, allez-y, Maître Lagu. Donc, et puis pour la suite des choses également, s'il y a d'autres étapes à la cour, évidemment qu'il y a une communication qui se poursuit avec l'enquêteur au dossier et la victime pour lui dire les étapes à venir et également la préparer à son témoignage si c'est le cas. Je vous laisse aller, Maître Lagu. Merci. Alors, ben, quand les victimes se présentent à la cour à chaque étape, pas juste pour le procès, donc elles sont informées à ce moment-là de la suite des choses. Aussi, on les appelle avant chaque présence nécessaire à la cour. Là où ça peut être différent, c'est que si l'accusé comparaît détenu, alors s'il est arrêté et il comparaît tout de suite devant la cour alors qu'il est détenu, à ce moment-là, soit il est remis en liberté, soit il demeure détenu et c'est côté cour qui fait le premier contact avec la victime pour l'informer des conditions de remise en liberté ou du fait que l'accusé demeure détenu jusqu'à son procès. Et après ça, à chaque étape, le procureur va être en contact avec la victime. Merci, Maître Lagu. La prochaine question va s'adresser principalement à vous également. On me demande, j'aimerais savoir pourquoi on remet la cause de foi en foi. Bon, il y a toutes sortes de raisons. Bon, la première étape, c'est la comparution. Et à la comparution, la poursuite remet une copie de la preuve à la défense. Et généralement, la défense demande de reporter le dossier, ce qu'on appelle pro forma, ce qui veut dire que ça ne sera pas le procès, c'est pour la forme. Alors, la défense demande de reporter pour pouvoir prendre connaissance de la preuve, rencontrer son client, etc. Il peut y avoir tout de suite après ça une date de procès, mais il peut y avoir des remises pour plein de raisons, là, des gens malades. On l'a vu beaucoup là, pendant la COVID. Il y a des gens qui ne pouvaient pas venir à la cour, des victimes qui ne pouvaient pas venir non plus quand les enfants devaient rester à la maison. Alors, il y a plein de raisons qui font qu'un dossier peut être remis. Il y en a malheureusement qui sont remis à quelques reprises, mais généralement, on essaie de procéder dès la première date fixée pour le procès. Merci, Maître Lagu. Il ne semble pas y avoir de nouvelles questions. Je vais juste vérifier bien comme il faut. Donc, s'il n'y a personne qui a d'autres questions, il ne semble pas y avoir de nouvelles questions. Donc, je vais vous remercier à chacun des panélistes d'avoir été présents. Attendez un instant. Excusez-moi, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Merci, Gabrielle. Bon, ça a un petit peu été posé un petit peu tout à l'heure. On me demande encore une fois comment se déroule l'arrivée au palais de justice. Est-ce que je vais croiser mon agresseur ou devrais-je lui parler directement? Je vais y aller promptement là, parce qu'on a pas mal répondu à ça tout à l'heure, mais je vais juste vous réitérer que votre arrivée au palais de justice, d'abord, elle se fait de façon organisée. On va avoir prévu cette partie-là. On va vous rencontrer d'abord. Et c'est possible que vous croisiez l'accusé dans le dossier parce que vous assistez à la même cause. Par contre, vous n'avez pas à vous adresser directement à lui et les attentes, les périodes d'attente pendant l'audience, vous avez un endroit
qui est privé pour les victimes, les témoins, à part. Question justement de ne pas vous retrouver dans la même salle d'attente que l'accusé. Et oui, il se peut éventuellement que vous soyez appelé à témoigner dans la même salle d'audience que l'accusé. Par contre, comme Maître Lagu l'a spécifié tout à l'heure, dans certains cas particuliers, il y a toujours possibilité de faire une demande pour témoigner, par exemple, en arrière d'un paravent pour privilégier certains... un sentiment de sécurité ou lorsque c'est très difficile pour la victime de témoigner, il y a cette possibilité-là. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Maître Lagu. Non, pas ce sujet-là, mais j'ai vu qu'il y avait une autre question par rapport à un bris d'une condition quand il y a un 810 qui a été ordonné par le tribunal. Alors, quand quelqu'un ne respecte pas une des conditions prévues dans l'ordonnance suivant l'article 810, ce bris-là est une infraction criminelle. Donc, il va y avoir des accusations criminelles de portée quand il y a un bris de l'article 810. J'ai une autre question concernant le 810. Je vais en faire une petite partie. L'accusé est-il obligé de signer un 810 s'il y a des accusations criminelles? Donc, c'est un peu contradictoire cette question-là parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que un processus dans le but d'obtenir un 810, c'est lorsqu'il y a absence d'accusation criminelle. Et non, on n'est pas obligé de signer un engagement. En fait, il y a une audience qui va se tenir si on refuse de signer ça, qui a tout lieu d'être comme un peu comme un procès, mais c'est une audience et c'est un juge au terme de ça qui va décider si oui ou non il peut ordonner cet engagement-là. Par contre, lorsqu'il y a entente entre les parties, là, je peux peut-être laisser la parole à Maître Lagu quand ça découle en 810. Oui, parce qu'il arrive qu'il y a des infractions criminelles qui ont été portées, mais qu'en cours de route, la situation permet ou exige, en tout cas, qu'on change de stratégie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il arrive qu'au lieu de faire un procès sur l'infraction criminelle qui a été portée, les deux parties, la poursuite et la défense, vont de consentement suggérer au tribunal d'ordonner une ordonnance suivant l'article 810. Alors, et ce n'est pas la signature qui est importante comme telle, c'est que devant le tribunal, le défendeur doit faire certaines admissions pour que le juge ordonne qu'un 810 soit émis là, avec des conditions. Alors, dans ce cas-là, une fois que le juge rend son ordonnance, l'ordonnance est en vigueur, que l'accusé veuille ou non le signer parce qu'on s'entend qu'il a consenti à ça. Mais sinon, s'il n'y a pas de consentement, ça ne se fera pas quand le processus a commencé par une infraction criminelle. Merci beaucoup, Maître Lagu. J'ai une autre question. On me demande si j'ai peur que mon agresseur se venge, qu'est-ce que je peux faire? Alors, au niveau policier, ce que j'ai envie de vous répondre d'emblée, c'est que c'est justement une information qui nous est très importante, ça. Si vous avez peur que votre agresseur se venge, c'est important que vous le mentionniez dès le départ lorsque vous déposez votre plainte puis que vous expliquiez pourquoi vous avez peur que la personne se venge. Parce que les policiers, actuellement, ils se penchent sur les questions de violence conjugale en s'aidant de l'aide-mémoire pour prévenir l'homicide du partenaire intime. Et c'est la meilleure source d'information pour savoir les risques qui sont associés à la situation particulière de la victime, c'est elle-même. Donc, la première chose qu'on doit faire si on a peur que notre agresseur se venge, c'est d'informer les policiers de tous les détails entourant cette crainte-là. Par la suite, ben, si par exemple il y a eu des accusations de portée et que monsieur est libéré avec des conditions, il y a toujours cette possibilité-là d'aller dans un refuge. Donc là, pour ce segment-là, je vais laisser Véronique répondre, mais il y a toujours cette option-là des maisons d'hébergement. Oui, effectivement, quand la personne victime s'en va en sécurité, il y a la possibilité là. Il y a un organisme qui s'appelle SOS, Violence conjugale, qui connaissent toutes les places dans toutes les maisons d'hébergement qui sont disponibles autant un peu partout au Québec, donc autant à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord,
Donc, on les contacte rapidement. Puis, ils vont pouvoir nous trouver les places, les maisons d'hébergement où il y a des places disponibles pour que la personne victime puisse y être admise. Habituellement, la personne victime peut y rester 2, 3 mois environ. Puis, ce qui était très intéressant d'une maison d'hébergement, c'est que la personne victime est entourée constamment là, d'autres intervenants qui sont disponibles 24/7 pour répondre aux questions, aider aussi à mettre un filet de sécurité en place autour de la victime, ramener un sentiment de confiance, puis l'aider dans toutes ses prochaines démarches si elle veut déménager, par exemple, briser son bail. Donc, c'est vraiment tout ce que les intervenants peuvent faire en maison d'hébergement. C'est super intéressant. Puis, habituellement, les possibilités d'être localisé rapidement. Puis, c'est sûr qu'au CAVAC de Montréal, c'est quelque chose qu'on peut aider aussi au niveau de la relocalisation, mettre en contact avec SOS Violence Conjugale, puis amorcer les prochaines démarches là, pour assurer la sécurité de la personne victime. Merci, Véronique. Donc, on va y aller avec une dernière question. On me demande si quelqu'un me suit partout, qu'est-ce que je peux faire si la personne se retrouve dans tous les mêmes lieux publics? Donc, la première chose à faire dans cette situation-là, ça serait de vous adresser au policier. Parce qu'à ce moment-là, on va être en mesure de déterminer avec vous, est-ce qu'il y a des intentions derrière ça? Qu'est-ce qui serait la meilleure option? Est-ce qu'il y a une infraction criminelle qui est commise? Donc, c'est la première chose à faire, ce serait de dénoncer ça. À ce moment-là, si effectivement on n'est pas en mesure d'établir la commission d'une infraction criminelle, ça serait possible peut-être à ce moment-là d'envisager la possibilité de faire une demande de 810 justement parce qu'il y a des craintes fondées, mais qu'il n'y a pas d'infraction criminelle de commise. Donc, c'est comme ça que va prendre fin la période de questions. Je vous remercie, Maître Lagu, Véronique et Gabriel, ainsi que tous les participants pour avoir assisté à ce panel. Du coup, je vous dis aussi que la conférence d'aujourd'hui est présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Je vous invite à ne pas manquer les prochaines activités du Salon Visé Droit. Alors, pour tous les détails, vous pouvez consulter la programmation officielle en vous rendant au salonvisédroit.com. Je vous invite d'ailleurs à la consulter fréquemment alors que d'autres activités seront ajoutées au cours des prochaines semaines. Je vous confirme également que la conférence sera disponible en rediffusion, sur le site web du Barreau de Montréal et les réseaux sociaux du Salon Visé Droit. Alors, encore une fois, mille merci. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et voilà. Ça prend fin comme ça.